Voilà, une petite entrée de jeu pour musical, pourquoi pas, ça fait pas de tour. Donc, ça participe en tant qu'un jingle, pourquoi pas. Il y a beaucoup de gens qui mettent des jingles en entrée, j'en ai un, ça ne pose pas de problème du tout. Maintenant, si vous n'avez pas la musique, vous pouvez outrepasser et voilà. Faire avancer la vidéo pour voir le restant de la vidéo. C'est pas un problème. Par contre, le restant de la vidéo va être très intéressante, je vous le dis. C'est une vidéo qui va être très intéressante parce que, bon, elle va peaufiner un petit peu les notions déjà vues jusqu'à présent, mais enfin, on va faire apparaître des choses très importantes en calorimétrie. Alors, pour ça, je vais me baser sur un énoncé déjà vu. Hein. Bon, il a déjà été développé. Alors, vous pouvez aller revoir la vidéo. C'est la capacité calorifique d'un calorimètre en laiton. Ici, il était en la matière. On peut avoir des calorimètres en toutes sortes de formes, hein. Enfin, de matière, laiton, aluminium. Voilà. À l'intérieur contiendra généralement de l'eau. On peut mettre d'autres matières, mercure ou autre. Voilà. On peut s'amuser avec les matières. On peut aller faire des mélanges. Aussi bien au niveau du calorimètre qu'en son sein. On peut mettre des choses en son sein. Alors. Ici, il y avait un calorimètre en laiton qui renfermait 500 g d'eau à la température de 12,1. Voilà, ça c'était le calorimètre. Alors, la température finale du système était de 12,7 degrés. Voilà, donc en fait, ce qui veut dire que la température initiale était de 12,1. On arrive à 12,7. Bon, je vous rappelle que c'est un laboratoire. Hein. Ça, c'est un laboratoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Justement, pour rechercher la valeur en eau du calorimètre, il faut faire un laboratoire. Voilà. Sinon, si vous êtes en théorique, ben, vous n'aurez jamais cette valeur du calorimètre. Alors, on y laisse couler 50 g d'eau à la température de 19 degrés Celsius. Et on demandait de calculer la capacité calorifique du calorimètre. Bon. Et là, il y a beaucoup de notions à comprendre. Vous allez comprendre un petit peu le cœur du calorimètre et un petit peu le cœur de la calorimétrie. Voilà, parce qu'il y a des nouvelles notions qui vont apparaître, des notions... je vous rappelle que le calorimètre est un appareil de mesure qui va fonctionner sur base, bien sûr, de choses connues et de choses inconnues, c'est-à-dire par rapport à du contrôlable et des choses qu'on peut maîtriser, des valeurs contrôlables et des valeurs que l'on peut maîtriser, bien sûr, si on a une équation, un inconnu, si on met au niveau des équations, qu'on a une équation, un inconnu, ou deux équations à deux inconnus, parce que si on commence à avoir... voilà, trois équations à deux inconnues. Je m'excuse, si on commence à avoir trois inconnues avec une équation, là, à ce moment-là, on peut résoudre, mais comment, scientifiquement parlant, on peut le résoudre? Comment? Alors, à ce moment-là, il faut faire à chaque fois trois étapes. Trois étapes, chacune des étapes va donner une inconnue. Et après, quand l'inconnu n'est plus connu, ben, à ce moment-là, on peut remettre, voilà, par trois étapes, on peut fixer pour la première étape, la première inconnue, la deuxième étape, la deuxième inconnue, troisième étape, la troisième inconnue. Donc, on va faire trois laboratoires séparés, si vous voulez. Avec trois laboratoires séparés, hein, si vous ne connaissez pas le C de l'eau, ben, vous faites un laboratoire séparé. Si vous ne connaissez pas la valeur en eau du calorimètre, vous faites un laboratoire séparé. Si vous ne connaissez pas la chaleur spécifique d'un corps, vous faites un laboratoire séparé. Donc, ce qui veut dire qu'avec trois laboratoires, mais vous aurez déterminé le C0 de l'eau, le C d'un corps quelconque, d'un échantillon, et en même temps, la valeur en eau du calorimètre avec trois laboratoires. Donc vous voyez, trois inconnus, vous ne savez pas faire des calculs avec trois inconnus. Mais maintenant, connaissant via trois laboratoires, on sait déterminer trois paramètres. Voilà. Donc il faut s'arranger pour ne pas avoir trop d'inconnus, parce qu'à ce moment-là, il faut faire un laboratoire qui va les rechercher, qui va déterminer au moins une des inconnues. Bon, donc ici, on a un calorimètre en laiton qui renferme 500 g à la température de 12,1. La température du système est de 12,7. On y laisse couler 50 g d'eau à la température de 19. Calculer la capacité calorifique du calorimètre. Bon, ça, c'est déjà une chose. Alors,
ce laboratoire, enfin, cette émotion avait déjà été résolue. Je l'ai déjà résolu, je veux dire, auparavant. Et j'ai même fait une vidéo. Il y a une vidéo qui existe, bon, qui donne les explications, je veux dire, correctement de tout ça. Tout ça a été vu. Simplement, je vais revenir sur certaines notions pour peaufiner justement mes notions à partir de cette vidéo, à partir de, oui, de cette vidéo, à partir de cet énoncé. Cet énoncé va apporter, vous voyez, va vous apporter des notions supplémentaires que là vous maîtriserez un petit peu le calorimètre. Alors, pour résoudre ça, je vais vous dire en toute vitesse ce que j'ai fait parce que ça a été vu, donc je ne revois pas. Ce que je fais, je cherche d'abord la température d'équilibre, si vous voulez, théorique. Alors, voilà, je cherche la température d'équilibre théorique. Parce que la vraie température d'équilibre, mais c'est le calorimètre qui va la donner. Hein. C'est le calorimètre qui va donner la température d'équilibre. Alors comment on fait? Ben, on fait un calcul, j'applique des formules pour rechercher, bien sûr, il me faut la masse M1, la masse totale, qui est M1 plus M2, masse du corps froid plus la masse du corps chaud. Voilà. J'applique la formule pour trouver une température d'équilibre théorique de 12,72. Or, le laboratoire ici donne 12,7. Voilà, le laboratoire donne 12,7. Alors, entre 12,7 et 12,72, ben, il y a une petite marge. Une marge. Et cette marge-là, justement, si je fais la différence, bon, pour ça, à ce moment-là, il faudrait que je recule ceci. Voilà, la marge théorique. Et la marge théorique et pratique est réelle, le théorique et le réel. Voilà. Et bien, cette marge là, je vous la mets ici, c'est égal à 12,72 moins 12,7. Voilà. Ce qui veut dire que quelque part, il y a une différence. Et cette différence, justement, c'est une perte. Voilà, c'est une perte. Une perte de quoi? Ben, une perte de chaleur. Hein. C'est une perte de chaleur. Où était cette marche? Cette marche, elle était où? C'est pas une erreur. Hein. C'est une perte calorifique. C'est-à-dire que si vous prenez un calorimètre, voilà, vous en prenez un échantillon, je sais pas c'était quoi l'échantillon, je me rappelle plus, j'ai dû oublier. Enfin bref, vous mettez un échantillon, peu importe ce que vous mettez dedans, il va avoir un échange calorifique et vous établissez les équations de la calorimétrie pour trouver ce qu'il faut trouver, l'inconnu. Voilà. Pour trouver l'inconnu de l'échantillon. L'échantillon étant, bien sûr, ici. Le calorimètre étant, bon, ici. Le calorimètre étant ici. Alors là, on a une certaine matière, bon, solide, liquide ou gazeuse, peu importe. Un calorimètre à solide, liquide et gazeux sont tous les trois différents. Je vous montrerai comment on mesure au niveau des gaz, des solides et des liquides. Hein. Bon, ces trois calorimètres, plus ou moins similaires, mais il y a des petites différences. Je vous les montrerai. Ici, c'est un corps, peu importe s'il est solide, liquide, on s'en fout. Alors, il va avoir un échange thermique et on va écrire les équations de deux manières, soit par échange égalité, ce qui est fourni est égal à ce qui est absorbé, ou somme des Q, delta Q égale 0. Il y a deux manières de... Par la loi conservative, somme des delta Q égale 0, soit vous faites chaleur, la chaleur fournie est égale à la chaleur absorbée, en tenant compte des signes, en faisant attention aux signes justement. Voilà. Donc ça veut dire, si vous trouvez une différence, c'est que les accessoires, il y a une perte calorifique. Bon, c'est pas une perte qui va comme ceci, hein, je vous le dis, parce qu'ici, on va considérer les pertes avec le milieu extérieur comme étant très négligeable, tellement que c'est bien isolé, on a bien isolé le système du calorimètre est très bien isolé, donc on n'a pas de perte avec le milieu extérieur. Par contre, on a des pertes avec les accessoires au sein voilà, du calorimètre. Ce qui veut dire que si je mets dans le calorimètre de l'eau, donc l'échange thermique va se faire avec l'échantillon et de l'eau dans le calorimètre. Donc, bien pour ça, il faut connaître la masse d'eau, que j'appelle M0, masse d'eau. Ouais, je vais mettre la masse d'eau
fois l'eau, capacité thermique de l'eau, capacité, je m'excuse, la chaleur massique de l'eau, voilà, fois une variation de température, delta T. Bon, et là, si je considère que bon, l'eau va recevoir de la chaleur, voilà, ben, donc c'est le delta T froid, variation de température du corps froid, qui est l'eau. Ici, c'est juste de l'eau froide. Voilà. Alors, on va mettre un corps dedans, un corps chaud. Et alors, on aura un équilibre thermique. Et l'équilibre thermique, vous commencez à connaître par cœur l'équilibre thermique. Et on mettait ceci. Le corps froid, il est là, avec une masse, une température et une chaleur massique. Et on a un corps chaud qui est là, avec une masse, une température et une chaleur massique. Donc on a le corps chaud. Voilà. Et le corps froid. Et alors, bon, quand on va les mélanger, ben justement, il va y avoir l'échange thermique. Pour que la température va se situer entre le corps chaud et le corps froid. On aura ce qu'on appelle une température d'équilibre. Elle sera peut-être proche du corps froid, peut-être corps proche du corps chaud, mais en tout cas entre le corps froid et le corps chaud. Je le positionne ici, j'aurais pu le positionner ailleurs. J'aurais pu le positionner tout près du corps chaud, ça dépendra des masses. Si la masse du corps chaud est prépondérante, voilà, ou par rapport au corps froid, bon, il peut se situer ici, ici, bon, tout le long, voilà, entre le corps chaud et le corps froid. Entre la température, si vous voulez, du corps chaud, voilà, je l'ai mal noté, voilà. Je vais le recommencer. Température du corps chaud. Alors là, en bas, on a la température du corps froid. Et alors, on s'est calculé la température d'équilibre. Ça fait depuis passer 200 siècles, enfin 200 ans, qu'on sait faire ça. Après, l'équilibre d'eau chaude, d'eau froide... qui a vu l'intéressement de Taylor et Richman à ce niveau-là, mais qui ont pu déterminer, je veux dire, une petite loi d'équilibre, et qui est actuellement utilisée plus de 200 ans plus tard, donc en 2020. Je l'utilise. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une différence de température entre l'écart, il y a un écart entre le théorique et le réel, entre l'écart entre le réel et le théorique, le calcul théorique, me donne une certaine température. Ce qui veut dire qu'il y a des pertes, mais pas des pertes avec l'extérieur, parce que bon, on les néglige, mais des pertes avec les accessoires. Bon. Alors ce qu'on va faire, pour les pertes pour les accessoires, on va créer ce qu'on appelle une valeur en eau, mu. Mu, en fait, c'est l'équivalent en eau de ce que seraient les pertes de la masse qui créerait une perte, de la masse d'accessoires qui créerait une perte. Donc je répète, le mu serait l'équivalent en eau, donc on considérait que ce serait de l'eau, alors que c'est pas de l'eau, c'est des accessoires. Ça correspondrait à la masse des accessoires qui justement provoquerait l'absorption de chaleur, donc les pertes de chaleur. Donc ce qui veut dire que là, je suis obligé d'intégrer un mu qui concerne les pertes, voilà, fois le C0, fois delta T. Bon, le delta T, il est le même que le corps froid, hein, parce qu'ils sont, l'eau froide et les accessoires, l'eau froide est en contact avec les accessoires. Donc, quand je dis delta T, c'est les mêmes variations de température, c'est delta T FR. C'est delta T FR, voilà. Donc, nous voilà avec, non pas une masse d'eau, mais une masse d'eau et un équivalent en eau qui reprend... la masse des accessoires. La masse des accessoires qui vont produire l'effet d'absorption de... un équivalent de masse d'eau qui correspondrait à la masse des accessoires qui provoquerait la perte de chaleur. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut tenir compte de ces deux phénomènes. Donc, et c'est ça qui va créer les pertes. Les pertes sont là. Voilà. Donc, quand on a...
non pas 17-2 théoriquement, hein, supposons que on avait 17, je ne sais plus, 17-72. Non, 12-72. 12-72. En théorique, on avait 12-72. En théorique, on avait 12-72. Mais nous voilà avec, en pratique, 12-7. Et non pas 12-72. Donc, on voit que le différentiel, l'écart entre la température d'équilibre théorique, qui est 12-72, et le réel, fait par un laboratoire, nous indique qu'il faut tenir compte d'un mu. Voilà. Il faut tenir compte de ceci. Bon, il y a aussi l'échange de chaleur du corps froid. Hein. Le corps froid va fournir la chaleur. Mais de toute façon, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. C'est ce qui m'intéresse. Le corps chaud qui va fournir, voilà, il y en a qui va fournir, c'est le corps chaud. Le corps chaud va fournir. Mais je m'en fous. Je ne travaille pas avec le corps chaud. J'évalue les pertes au niveau du corps froid. Voilà. C'est-à-dire au niveau du calorimètre. Calorimètre contenant voilà, le corps froid. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Calorimètre, je vais établir les équations pour le corps froid. Voilà. Alors pour ça, comme je vous venais de voir, il vient d'apparaître une certaine variable qui est mu, va apparaître une nouvelle, voilà, comme il y a quelque chose d'équivalent qui vient d'être créé, d'ailleurs je vais l'écrire, c'est la masse de d'eau fois le C0 de l'eau fois le delta T voilà, du corps froid. Bon, maintenant, on sait bien qu'on travaille avec le corps froid. Donc, je n'indique plus delta T, corps froid, TFR. Je n'indique plus TFR. Parce que je vais me baser sur cette zone-là, sur le corps froid, l'échange avec le corps froid. Bon, alors, je vous rappelle que, voilà, je vais me baser sur cette zone-là. Donc, le TFR ou delta T que je vais appeler ici, delta T, je vais abandonner TFR, en fait, n'est autre que TE, température d'équilibre, voilà, qui est moins la température. Bien sûr, la température d'équilibre, non pas théorique, hein, mais pratique, 12,7. Parce que, bon, le mu a été créé, parce que justement, c'est le cas pratique qui va donner les pertes. Donc, je vais travailler avec le 12,7 qui a été trouvé au laboratoire. Et non pas le 12,72 théorique. Donc la température d'équilibre, on va dire réelle, moins la température voilà, du corps froid. Voilà, on va faire. Voilà. Donc delta T, c'est ceci. C'est le delta T, c'est le delta T que j'ai indiqué ici. À partir de maintenant, vous considérez que quand chaque fois je vais marquer delta T, c'est le delta T corps froid, mais comme je n'ai pas envie de travailler FR. Mais ça va être la température d'équilibre réelle moins la température du corps froid de départ. Bon. Ceci étant dit, maintenant vous savez ça, je vais lui je m'excuse, adjoindre le C0 et le delta T. Encore une fois, maintenant vous savez c'est quoi, cette température d'équilibre point de vue réel moins température du corps froid. Alors, cette somme-ci, je vous rappelle qu'il y a un mu, d'ailleurs, je vais le marquer tout de suite, il ne faut pas oublier ça. C'est mu plus mu fois ceci. Voilà. Mu fois C0 fois delta T. Bon. Alors, ceci, c'est comme si on avait, encore une fois, c'est comme si on avait une masse d'eau. Une masse d'eau, la masse d'eau complète, hein. On ne tient compte que de la masse d'eau ici, fois une chaleur massique du calorimètre. Du calorimètre. Alors, du calorimètre. Bien sûr, fois, de nouveau, on ne va pas se mentir, delta T qui est température d'équilibre réelle moins température de corps froid. Voilà. Ceci est une équation qui est fondamentale, je veux dire, comment on appelle ça en calorimétrie, notamment pour l'appareil de mesure qui est le calorimètre. On voit apparaître donc les pertes sont là. Voilà. On voit apparaître un mu qui est une valeur en eau du calorimètre qui correspond je veux dire, à la masse des accessoires sous forme de valeur d'eau. Voilà.
C'est pour ça que d'ailleurs on multiplie par l'eau, hein, m0 fois mu fois c0. Mu fois c0. Voilà, est égal à m fois la chaleur massique du calorimètre et non plus la chaleur massique de l'eau. Donc là-dedans, dans la chaleur massique du calorimètre, on reprend, si vous voulez, les pertes. Les pertes. Bon. Voilà, maintenant que la donnée est placée, je vais établir mes calculs. Je vais faire mes calculs à partir de cette équation-là. Donc, je vais partir, le point de départ va être cette équation-là. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un nouveau paramètre qui va rentrer en jeu, c'est la chaleur massique du calorimètre. La chaleur massique du calorimètre, c'est-à-dire C calorimètre. Bon, on ne tient plus ici du compte du C0, mais du C calorimètre. Voilà. Donc, je vais partir du point de départ ici. Bon, et la première chose que je peux vous dire, c'est que je peux mettre C0 delta T en évidence. Bon, si je devais mettre le C0 delta T en évidence, ben, je me retrouverais avec une masse d'eau plus un mu que je vais mettre par après. Voilà, un mu. On va me laisser une petite place, voilà. Fois C0 fois delta T. Voilà. C'est 0 fois delta T. C'est égal à les restants que je recopie. Je vais faire. Oh, il est parti. Ouais, il est parti. Ouais, je vais recopier ça. Donc je recommence. Ça va donner M0 plus. Bon, plus mu. Je vais l'écrire en toutes lettres. Enfin, en lettres grecques. Hein, par contre, ici, je vais faire une séparation. On multiplie par le C0 fois le delta T. Voilà. Alors, celui-ci, je le reprends ici. Contrôle. Ah, c'est une copie parce que ça reste. Bon, je ne vois pas pourquoi je devrais le remettre. Et alors, bon, n'oublions pas ici de mettre égal. Égal. L'égalité entre les deux. Et donc, vous voyez qu'on voit apparaître un mu et un C calorimètre. Hein. Il y a un mu et un C calorimètre. Donc ça, c'est déjà une chose à percevoir. Bon. Alors maintenant, là, s'ils sont splittés, c'est une somme, la somme ici, ça concerne l'eau. Ah, celui-ci concerne l'eau. Voilà, celui-ci va concerner l'eau. Et celui-là va concerner voilà, les pertes dues aux accessoires. Donc, tout ce qui est accessoire. On scinde ici, on sépare. Si vous voulez, ce qui est, concerne l'eau et ce qui concerne les pertes des accessoires. Donc je vais scinder ce qui concerne l'eau et ce qui concerne les accessoires. Là ils sont scindés. Par contre, là ils ne sont plus scindés. Là ils sont pris en compte tous les deux. Là c'est l'ensemble. La différence entre les deux, c'est que là maintenant, on prend ici l'ensemble. Voilà. L'ensemble. C'est l'ensemble. La masse. La masse d'eau
et la masse des accessoires, mais cette fois-ci, il faut multiplier par, bien sûr, le C0 de l'eau fois le delta T. Donc, et tout ça, c'est comme si on avait la même masse d'eau. Regardez. C'est comme si on avait... Donc là, on a la masse d'eau plus mu. Ça reviendrait à faire uniquement l'eau fois un C calorimètre, ou dans le C calorimètre, on reprendrait le mu. Le C calorimètre reprendrait le mu. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment, justement, la question de se poser, c'est comment trouver le C du calorimètre avec tout ça. Bon. Donc, on a combien de chaleur massique ici? On a la chaleur massique de l'eau, 4,18 dans ses unités. Et là, on a le C du calorimètre dans ses unités. Dans ses unités, ça peut être des joules ou des kilos, des joules par gramme par degré Celsius, ou des kilojoules par kilo par degré Celsius, ou encore voir des joules par kilo et par degré Celsius. C'est pour ça que je vous dis que dans ses unités. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais diviser par delta T. Bon, je vais diviser par delta T. Bon. Lequel? Ce qui m'intéresse le plus, enfin c'est les deux, vous allez me dire, mais je vais diviser celui-ci par delta T. Attention que si vous divisez par delta T, les unités vont changer. Les unités vont changer. Vous allez vous retrouver par une division par une division de température, donc en fait, ça va être par degré. Par degré, une unité par degré. Je reprends ceci. Et maintenant, je vais diviser par delta T, de part et d'autre. Ce qui veut dire que je vais avoir des unités par degré. Qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester MC0 plus il va rester mu C0 est égal à M0 fois le C du calorimètre. Fois la chaleur massique du calorimètre. Bon. Alors, ça, je peux vous dire que tout ceci, déjà, une masse, si je prends en kilo, fois la chaleur massique, si je travaille en joules par kilo par degré Celsius, voilà. Donc, je vais écrire ceci. Donc là, le M0, il est en kilo. Le C0 en kilogrammes, en joules, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Je vais le retirer. Voilà, je réécris joules par kilo et par degré. Bon, et n'oubliez pas qu'il y a un delta T. Fois un delta T qui est en degrés Celsius. Bon. Je vais diviser par des degrés Celsius. Bon, par exemple, si je divise par des degrés Celsius, voilà, le M fois C, les unités, ce sont des joules pour un degré. Je divise par 2 degrés Celsius, j'aurai des joules pour 1 degré. C'est-à-dire des joules pour 1 degré Celsius. J'aurai des joules par degré Celsius. Voilà. Donc ce qui veut dire que le MC0 là, il est en joules par degré. C'est des unités qui sont en joules par degré Celsius. C'est pour 1 degré. Des joules, on a l'équivalent des joules pour 1 degré Celsius. Là, j'ai l'équivalent des joules pour 1 degré Celsius.
Et là, j'ai l'équivalent des joules pour 1 degré Celsius. Et ceci, ça s'appelle le M0 fois C0. C'est ce qu'on appelle une capacité thermique. Voilà. Alors, là, on a la capacité qu'on appelle CTH, hein. CTH. Donc, c'est comme si j'avais la capacité thermique de l'eau. La capacité thermique de l'eau, plus la capacité thermique, des accessoires. Accessoire est égal à la capacité thermique du calorimètre. C'est égal à la capacité thermique du calorimètre. Bon. Donc, la capacité thermique du calorimètre vaut M0 fois. Je vais vous montrer. Donc, n'oubliez pas qu'on est en joules par degré. Hein. Je vais le mettre ici. C'est des unités qui sont en joules par degré Celsius. Qu'on appelle la capacité thermique. Voilà. Donc ceci je vais enlever et je vais ramener ceci ici. Voilà. Donc la capacité thermique de l'eau qui se mesure en joules par degré plus la capacité thermique des accessoires qui se mesure en joules par degré vaut la capacité thermique du calorimètre. Bon, la capacité thermique de l'eau c'est M0 fois C0. La capacité thermique des accessoires c'est M le mu fois C0. Et la capacité thermique du calorimètre vaut la masse d'eau fois le C du calorimètre. Voilà. Alors maintenant, je vais rechercher le C du calorimètre. On va chercher le C du calorimètre. Connaissant tout ça, hein, on peut rechercher le C du calorimètre. Je vais vous montrer comment. Alors, il faut modifier les équations. Bien, on recherche le C du calorimètre. Donc, maintenant, vous savez que c'est une somme. Ça veut dire que la somme, voilà, la somme des capacités de l'eau et du calorimètre, de l'eau et des accessoires, vaut la capacité thermique du calorimètre. On va dire ça comme ça. Bon, par contre, je n'ai plus besoin de ça. Je vais devoir l'effacer. Bon, ne perdez pas de vue qu'on en joule par degré. Ne perdez pas de vue ceci. Je vous le dis tout de suite. Bon, je vais bien le mettre là-bas, hein. Bon, c'est pas un problème. Alors, maintenant, je vais chercher le C du calorimètre. C du calorimètre, comment déterminer le C du calorimètre? Eh bien, il suffit de faire M0 C0 plus mu C0. Voilà. Divisé par M0. Voilà, on l'a. On l'a directement. Donc, le C, si vous voulez, le C du calorimètre vaudra M0 fois C0 plus mu fois C0, le tout divisé par M0. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura C0 plus mu C0. Le tout sur M0. Voilà. Bon, ça c'est une chose, mais je peux trouver aussi en d'autres termes, je peux aussi trouver le M0, le mu0. Fois C0. Le M0 fois C0 vaudra, je vais effacer ce qui ne m'intéresse pas, M0 C0 moins M0 C, M0 C calorimètre moins M0 C0. Ce qui veut dire que mu0 c0, je peux le trouver en faisant la masse mu0 c du calorimètre moins c de l'eau. Voilà, moins le c0. Voilà. Donc en faisant, voilà, c'est toutes des équations, on peut trouver tout ceci.
Donc je peux trouver le C du calorimètre. Avec cette équation-là, bon, l'aboutissement M0, je recontrôle en toute vitesse, hein, M0 c'est 0, plus mu c'est 0, divisé par M0, donc j'ai bien C0 plus mu sur C0, voilà, mais donc je peux mettre en évidence ici le C0, ce qui fait 1 plus mu sur M0, C0. Voilà. Ou en d'autres termes, ça peut être aussi, je vais l'écrire comme ce, je préfère l'écrire comme ceci, je vais l'écrire M0. Si c'est pas bon, je viendrai recorriger, mais apparemment ça devrait être bon. M0 plus mu, le tout divisé par mu M0, voilà, le tout fois C0. Voilà, à partir de ça, on peut tout trouver. Bon, ben, on va retourner à l'exercice maintenant et vérifier si tout ça se vérifie. Si tout ça se vérifie, ben, tout est bon. Tout est bon. Alors, je retourne dans l'exercice ici. Bon, je vous ai dit que j'ai la température théorique, moins le réel, mais fait 0,02, ça veut dire qu'il existe un mu. Effectivement, bon, je fais la température, là c'est la température. La variation de température par rapport au corps chaud, mais on s'en fout. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est par rapport au corps froid qui est de 0,6. Voilà. Voilà. Donc, T équivalent à moins T1, c'est ce qui m'intéresse. C'est au niveau du corps froid, parce qu'en fait, dans le calorimètre, il y a l'eau froide. On peut aller voir, hein, l'énoncé, la température finale. Un calorimètre en laiton renferme 500 g d'eau à la température de 12,1. La température finale du système est de 12,7. Donc déjà, il a monté, c'est qu'il a reçu de l'énergie. Donc le corps froid, c'est bien voilà, ce qui est dans le calorimètre. Ici, le calorimètre est en laiton. Voilà, et en fait, le calorimètre contient de l'eau. Hein. Si c'est le calorimètre, voilà, il contient de l'eau. Donc 500 g d'eau, voilà, et 500 g d'eau à la température. Mais bien sûr, le corps qui va chauffer cette eau-là, c'est aussi de l'eau. Hein. Parce qu'on laisse couler 50 g d'eau à température 19 degrés. Voilà, et là on s'en fout de ça, on s'en fout du corps qui va fournir la chaleur, on s'en fout. Ce qu'on s'intéresse, c'est le corps qui va absorber la chaleur, c'est-à-dire l'eau froide ainsi que les accessoires. Bon, on demande justement de calculer la capacité calorifique du calorimètre. Capacité calorifique du calorimètre, voilà. Ici, moi je vais le donner je l'ai donné ici, il a été calculé, hein, c'est la chaleur massique. Mais moi, je l'ai donné en... ça a été calculé. Voilà, 4,39 joules par gramme et par degré. Voilà, maintenant, je peux le calculer en joules par degré. Je peux le calculer en joules par degré. C'est pas un problème. Bon. Je divise par voilà, la variation de température du corps froid. Bon, je vais faire ça. Donc, si je fais celui-ci joules par gramme, je vais diviser par 0,6. Voilà, ça fait 7. En joules par gramme, ça fait 7. Ça fait 7. Voilà, là il est en joules par gramme. En joules par gramme. Bon, ben, on va vérifier tout ça. Hein. Le but du jeu ici, c'est de vérifier tout ça. Donc, je vous ai dit, la chaleur absorbée par l'eau froide, c'est 1255,8 joules. Alors, comment avoir les 55? Ben, l'eau froide, c'est la masse d'eau. Alors, la masse d'eau, on a froide, l'eau, c'est 500 grammes. Donc, ce qui fait 0,5 kg, parce que je dois travailler en kilos. C'est la masse d'eau froide. Donc c'est 0,5 kg fois le C de l'eau, fois le C, j'ai pris pour le C de l'eau 4,186 fois la variation de température qui est de 0,6 fois 4,186. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là.
c'est 0,5 multiplié par, là c'est le fois qui n'était pas bon, j'ai mis une lettre X, voilà, fois la variation de température de 0,6. Donc la variation de température du corps froid, c'est 0,6. Voilà, et vous voyez que, bien sûr, ici, j'ai pris 4,186. Je dois faire fois 1000 pour avoir en, voilà, en kilojoules, hein, par kilo. Donc je dois faire fois 1000. Fois 1000. Voilà. Là, vous voyez bien qu'on a 1255 joules. Donc ça, il suffit juste de faire, pratiquer ceci. Je viens de calculer ceci. La masse d'eau fois le C de l'eau fois delta T. Delta T étant de 0,6 degrés. Là, pour aller de... Voilà, je peux vous montrer que ça fait 0,6 degrés. Hein. Bon, voilà, pour aller de 12,1 à aller à une température finale du système qui est de 12,7, les températures d'équilibre réelles est de 12,7. 12,7 moins 12,1, ça fait 0,6. Donc je fais 0,6 fois 500 grammes fois le C de l'eau, bien sûr dans ces unités en kilojoules par kilo, en joules par kilo par degré, ce qui fait 0,6 fois 5 fois 0,5 qui est 0,5 kilo fois 4186. Et là vous avez l'eau va prendre ceci, l'eau, chaleur absorbée par l'eau uniquement, la chaleur absorbée par l'eau uniquement. Donc je ne sais pas combien c'était, je vais réécrire 1255. Donc l'eau fera 1255. En gros, hein, je prends pas les virgules pour éviter de voilà de d'alourdir les choses. 1255,8, bon ça fait 1255. Je vais recorriger pour voir, vérifier. Oui, c'est bon. Alors maintenant, je calcule la chaleur absorbée par les accessoires. Les accessoires, c'est 62,79 joules. Alors comment a été calculé ça? Je le calcule ici. Mais en fait, c'est la masse des accessoires, la masse en eau correspondante à la masse en eau des accessoires qui est 25 grammes. Oui, ici j'ai fait un calcul préalable. Hein. Comment a été fait le calcul préalable pour trouver 25 grammes? La chaleur de départ est de 500 grammes. Voilà, la chaleur de départ. Voilà. Mais comme on me donne la température d'équilibre, je sais calculer la masse correspondante à la masse réelle par rapport à la température d'équilibre réelle. Connaissant la température d'équilibre réelle et la température du corps chaud et du corps froid, je peux trouver la masse réelle. Et la masse réelle, bon, je fais un petit calcul ici, voilà, je fais un petit calcul, il est là. La masse réelle fait 525. Mais la masse, tout ça, ça a été développé dans une vidéo, hein. C'est pour ça que je vais vite pour vous montrer ça. Allez voir la vidéo correspondante et vous comprendrez, je veux dire, ce qui a été fait. Maintenant, ce sont des autres explications qui sont données, voilà. Donc c'est pour ça que je dois vite reprendre l'existant pour vous montrer les nouvelles explications. C'est pas de réexpliquer tout ce qui a été fait auparavant. C'est pas faire une vidéo dans une autre vidéo. Voilà, donc le réel, ça c'est la masse réelle. Voilà. Et ça, c'est la masse qui engendre par le laboratoire, enfin qui c'est la masse qui fait apercevoir qu'il y a une masse supplémentaire par rapport à la masse d'eau qui est de 500 grammes. Et ce supplément, ben, c'est 25 grammes. On fait 525 moins 500. 525 a été calculé, 500 est une donnée. 525 moins 500, ça fait 25. Alors pourquoi on a une différence ici? Mais je vous l'ai dit, c'est parce qu'en fait, il y a une différence théorique entre le théorique et le pratique de 002 qui va induire qu'on a une perte due aux accessoires. C'est juste ça. Bon, voilà. Donc ceci étant dit, je vais vous montrer comment calculer le 6279. Le 6279 n'est tout autre que ceci. C'est la masse mu que maintenant je connais, puisque en fait la masse mu, ici la masse M0 vaut 500 grammes. Voilà. Et ici la masse mu vaut 25 grammes. Par les calculs que je vous ai montrés. Donc au total, on a 525 grammes. Alors le total, il est là. Hein, les 525, c'est ceci. Les 525 grammes, ils sont là.
Alors pour calculer, si vous voulez, le mu C0 delta T, ben, je fais la chaleur massique de l'eau fois 0,6 qui est la variation de température, voilà, fois la masse. On va faire ça tout de suite. 25 grammes, c'est 0,025. Bon, je retourne à mon calcul ici. Et je vais vous trouver comment on trouve. Voilà. Donc c'est 0,6 qui est la variation de température fois le C de l'eau qui est 4,186 joules par gramme. Voilà, ici je travaille en joules par gramme, donc je peux mettre directement en grammes fois 25 grammes. Voilà, 62,79 joules. Voilà comment on trouve la chaleur absorbée par les accessoires. Et donc la somme des deux chaleurs, mais donne la chaleur totale. Hein. La somme des deux chaleurs, voilà, 1250. Il y en a un qui donne 62 en chaleur. Je vais faire un petit peu de place ici pour les accessoires. Voilà, je vais mettre ça ici. Et 62. Voilà, il y en a qui donne 62 joules. Bon, ce qui veut dire que le total de chaleur est égal à combien? Ben, vous faites 1255 plus 62. Voilà, total de chaleur. On va correspondre à 1200, 1300 ED. Voilà, il y a un 7. 5, 11, voilà, 1317. Le total de chaleur qui va, voilà, est de 1317 joules, en gros. Bon, allons voir ça. Mais on fait 1255,8 plus 62,79 fait 1318. Voilà, en gros, ça fait 1318. J'ai mis 1317, c'est pas parce que je n'ai pas pris en compte les dixièmes et les centièmes ici. Mais ça fait 1318. Bon. Alors, ce 1318, je l'ai calculé comment? En faisant la chaleur absorbée par l'eau tout court, plus la chaleur absorbée par les accessoires tout court. Et là, on a la chaleur totale. D'ailleurs, vous voyez que, voilà, je peux le faire, c'est égal à ça, plus ceci. Et là, j'ai la chaleur totale absorbée par aussi bien l'eau et les accessoires. Bon, mais ça, je peux le calculer autrement. Comment? En faisant... Justement, par la formule que je vous ai mis ici, la masse d'eau, je peux considérer que le calorimètre, ben, c'est une masse d'eau. À ce moment-là, je ne considère plus les accessoires. Je considère que j'ai une masse d'eau qui est celle de 500 grammes. Hein. Voilà, c'est la masse de 500 grammes. Voilà, ici, j'ai dû prendre 500 grammes et 25 grammes. Maintenant, je dis que j'ai que 500 grammes. Je considère par les pertes, mais les pertes seront reprises dans le C du calorimètre. Voilà, dans le C du calorimètre. Bon, mais le C du calorimètre, il a été trouvé. Hein. Bien sûr, faire fois 0,6, maintenant vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner le même résultat, 1317. Regardez bien. Il faut que je retourne ici. Je vais retrouver cette fameuse valeur-là, mais je vais chercher les 500 grammes d'eau. 500 grammes d'eau fois le chaleur massique du calorimètre qui a déjà été trouvé ici, hein, 4,39. Voilà. Fois, fois les 0,6. Variation de température, c'est toujours 0,6 ici. Voilà. 1318, c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez que cette fois-ci, je prends la masse d'eau. Je ne me considère plus le mu. La part d'eau, je ne considère plus les 15 grammes, les 25 grammes là. Donc, quand je mets 500 grammes, c'est 500 grammes d'eau. C'est 500 grammes d'eau. Je n'ai pas tenu compte du 25. Donc, je peux faire 500 grammes, la masse, uniquement la masse d'eau, fois un C du calorimètre. Et dans le C du calorimètre, c'est pas 4,186 qui est la chaleur massique de l'eau. Voilà. Mais le C du calorimètre. Et le C du calorimètre, il vaut 4,39. Alors, comment j'ai trouvé ça? 4,39, mais... Ben, voilà, là à ce moment-là, il faut tenir compte de l'eau chaude. Il faut tenir compte de l'eau chaude. Voilà, je fais une équation, on a M eau froide fois C du calorimètre fois T équivalent moins T1. À ce moment-là, est égal à la masse d'eau chaude fois le C0 de l'eau chaude fois la variation de température de l'eau chaude. À ce moment-là, je cherche le C du calorimètre, j'obtiens 4,39 qui n'est pas 4,186. C'est normal parce qu'il y a des pertes. Là-dedans, on reprend les pertes. Les pertes, voilà, des accessoires.
Voilà. Bon, maintenant, j'aurais pu le mettre en joules par degré, comme je vous ai dit ici. Bon, alors maintenant, c'est pas encore terminé. Là, il y a une différence de chaleur massée qui vaut entre 4,3 et 4,186, 0,2. 0,2. Bon. Alors, maintenant, je vais regarder un petit peu ce que c'est ceci. Bon, pour trouver en joules par degré ici pour les accessoires, ça c'est mon fameux 6279. Je vais vous dire ce que c'est. 62, c'est mu 0 fois delta t. Bon, alors, pour chercher le mu 0, c'est 0. Eh bien, je divise par la température. Voilà. Mu 0, c'est 0. Qu'on appelle la capacité thermique des accessoires. Voilà. Donc, ça, c'est la capacité thermique des accessoires. Comment je fais? Ben, je fais le 62 joules divisé par 0,6 degrés. Donc, on va faire ça tout de suite. Regardez bien. Je prends 62 joules qui sont les chaleurs absorbées par les accessoires divisé par une température de 0,6. Voilà, j'ai 104,65. Et ça, c'est ce qu'on appelle la capacité. Je l'ai marqué ici, hein, capacité thermique des accessoires sur base d'équivalent, d'un équivalent en eau. Voilà, c'est exactement ça. La terminologie du 104, c'est ça. Voilà. Bon, mais j'aurais pu le marquer. Bon, ce que je peux faire, c'est ceci. Ici, j'ai fait une petite bêtise. Voilà, donc je vais ramener chaleur absorbée par les accessoires. Ouais, d'accord, on est d'accord. Celui-ci, à ce moment-là, bon, comment est-ce que je pourrais mettre ça? Ouais, je vais juste reprendre ceci. Remettre ça là. Voilà. Là, c'est la capacité thermique des accessoires sur base d'un équivalent en eau. Voyez-vous. Donc, c'est bien en joules par degré Celsius. En fait, c'est, si vous voulez, c'est mu 0 fois C0. C'est mu fois, c'est le mu fois le C0. Voilà. C'est le mu fois le C0. Mu fois C0. Voilà, il est là. Bon, maintenant, je peux calculer le M0 fois C0 aussi. Tout comme je viens de calculer le M0, le mu 0, le mu fois le C0, je peux calculer le M0, la capacité thermique de l'eau. Je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Pour l'eau, je vais chercher l'eau. Voilà, l'eau froide. Là, et là je vais mettre la capacité thermique de l'eau. Capacité thermique de l'eau.
capacité thermique de l'eau, ça c'est vraiment pour l'eau que je vais calculer, c'est égal à M0 fois C0. Donc le M0, la masse M0 qui est 500 grammes, voilà, fois le C0. 4,186, voilà. 2093, et ça c'est joule par degré Celsius. Maintenant, s'il s'avère que vous voulez multiplier par ceci par 0,6, ben vous obtiendrez les 1255 fois, voilà, pour 2093, si vous faites fois la température, voilà, vous allez avoir le 1255, voilà. Donc là, on est bon, voilà. Donc on a la capacité thermique de l'eau, et la capacité thermique de l'eau, c'est tout simplement M0 fois C0. Voilà. Par contre, lui, c'est mu fois C0. Bon. Mais alors, je vous ai dit qu'au travers d'une formule ici, on peut trouver le C du calorimètre. Hein. Le C du calorimètre, c'est M0 plus mu sur M0. Le tout fois C0. Bon, on va rechercher le C du calorimètre par cette méthode-là. Je vais le mettre ici, où ce que j'ai calculé le C du calorimètre. Voilà, par une méthode numéro 2. Voilà. Je vais calculer le C du calorimètre, non plus en faisant tout simplement la formule ici. Donc, M0 plus mu sur M0, le tout fois C0. On va calculer vite ça. M0 plus mu. Au travers de la formule, M0 plus mu, le tout sur M0, le tout fois C0. Donc c'est une deuxième méthode pour on va vérifier, comme ça on va regarder si on a bon. Le C du calorimètre voilà, est égal à, on va faire notre calcul, le mu, le rapport mu0 plus m, alors mu0 vaut 25, je sais pas ce qu'il est, voilà, ça, donc ça fait 525, mu0 plus m, c'est 525, divisé par m0, divisé par 500, le tout fois C0. Voilà, on va chercher 4, voilà, et normalement, on a 4, exactement ça, voilà. Vous voyez, j'avais dit que on peut le trouver comme ceci, donc ma formule est bonne. Hein. Donc, voilà. Donc on sait trouver le sel du calorimètre comme ceci. Donc ça c'est une méthode numéro 1, ça c'est une méthode numéro 2. Bon. Voilà. Ça c'est méthode par une méthode 1, méthode 1, méthode 2. Voilà. Alors les unités. Voilà. Je peux le mettre en joules par gramme comme je vous l'ai dit. Hein. Je divise par 0,6. Là j'aurai en joules par gramme. J'aurai la capacité calorifique du calorimètre donnée en joules par gramme. Parce qu'ici, il est en chaleur massique. Hein. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà. Par contre, comment je pourrais l'appeler? Ouais. C'est calorimètre, ici, c'est chaleur massique.
Ouais, c'est plutôt ici chaleur massique. Chaleur massique. Chaleur massique. Du kilomètre. La chaleur massique du kilomètre. Recherche la chaleur massique du kilomètre, voilà. Avec la différence de chaleur massique. Bon. Alors, je vais en profiter pour mettre la capacité calorifique. Capacité calorifique. Du capacité calorifique ou thermique, hein. Ça s'appelle capacité ou thermique du calorimètre. Voilà, calorimètre. Hein, il suffit tout simplement d'aller rechercher la capacité, la chaleur massique, et là vous divisez par la variation de température de 0,6. Voilà. Donc on a, et là il est en joules par gramme. Joules par gramme. Il est en joules par gramme. Voilà, donc on a calculé par deux méthodes, hein, une qui a été faite dans une autre vidéo, je vais montrer, de toute façon je vous ai montré comment on faisait, hein, par la méthode ici, l'égalité ici. Delta, avec les delta Q eau chaude et delta Q froid, mais delta Q froid reprend la masse d'eau fois le C du calorimètre. Voilà, fois la variation de température. Donc on prend le C du calorimètre. Ouais, d'ailleurs, je vais le mettre. Je ne sais pas si je peux le mettre. Non, on ne peut pas. J'ai regardé. Voilà. Et là, on a tout calculé. Bon. Ouais, ici, ce que je voulais marquer. Ça, je l'ai en joules par gramme. Ça, c'est la chaleur massique équivalente. Non, c'est pas la chaleur massique. Si, si, correspondante à la masse totale. À la masse totale d'eau équivalente. Chaleur massique, ouais, c'est ça. Donc, ces calorimètres reprend la somme de la capacité thermique, voilà, capacité thermique plus la capacité thermique de l'eau plus la capacité thermique de c'est la somme des capacités thermiques divisée par M0, si vous voulez, c'est du calorimètre, c'est la somme des capacités thermiques divisée par le M0. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer qu'on peut trouver le M0 C0. Ceci, la capacité thermique du comment on appelle ça, des accessoires. Voilà, la capacité thermique des accessoires en joules par degré, en faisant M0 moins et en prenant en compte la différence entre ces calories calorimètres. Vous voyez ici, je vais faire M0 fois la différence des chaleurs massiques du calorimètre et celui de l'eau, que j'ai déjà calculé. Ça, il suffit de faire juste fois M0
Et vous allez voir que par une troisième méthode, enfin une autre méthode, je peux encore avoir le M0, C0. Allons voir ça. Donc ce qui m'intéresse, c'est le M0, C0, le Mu0 fois C0, qui est ici. Voilà. Alors, ça c'est une méthode. Hein. C'est méthode 1. Hein. Voilà. Et je vais le faire par une méthode numéro 2. Je vais vous trouver ceci. D'abord, les unités, ça va être en joules par gramme par degré Celsius. Et on va calculer ça en faisant tout simplement la masse M0. Qui est de 500 grammes, hein, la masse d'eau. 500 grammes fois la différence de C calorimètre moins C qui est 2,02. La différence de chaleur massique entre le calorimètre et l'eau. Et voilà, j'ai bien 104,65 joules par degré Celsius. Alors, cette méthode numéro 2, bien sûr, je l'ai faite comment? En faisant M0 fois C calorimètre moins C0. Voilà, donc vous avez différentes méthodes pour arriver à aboutir voilà, aux capacités calorifiques ou thermiques du calorimètre. Donc, ceci, c'est la capacité thermique de l'eau. Hein. Donc, en joules par degré, c'est la capacité thermique de l'eau. Voilà, qui fait 2093. La capacité thermique, capacité thermique des accessoires, ce qui fait 104. 104, voilà, on a 104. Voilà, elle est donnée pour 1 degré ici. Si on allait donner ici pour 104, c'est pour 1 degré. Alors maintenant, je voulais juste regarder un petit truc, faire un dernier calcul. Ici, c'est pas normal qu'il soit. En joules par gramme. Joules par gramme. La capacité calorifique devrait être en joules par degré. Donc, je vais retourner ici. Fait peut-être une petite erreur capacité calorifique tout ça c'est bon hein. Tout ceci c'est bon mu0 c0 tout ça c'est bon le C du calorimètre on sait le trouver par contre je voulais le trouver le C du calorimètre là il est en joules ouais, ici on a simplifié là des masses, on n'a plus que voilà la même unité que ces zéros qui sont en joules par gramme. Ici, j'ai travaillé en gramme, donc c'est en joules par gramme et par degré Celsius. Voilà. Joules par gramme et par degré Celsius. Donc c'est juste une proportion, hein, ces calorimètres est proportionnel à ces zéros. Et il sera toujours plus grand que ces zéros. Hein, parce que le rapport ici est plus grand que 1. D'office, on a M0 plus mu sur M0, il est plus grand que 1. Donc on a un coefficient, le C du calorimètre sera toujours plus grand que le C de l'eau. Parce qu'on a un facteur K ici qui est beaucoup plus grand que 1. Facteur K plus grand que 1. Donc le C du calorimètre vaudra K fois C0 où K est beaucoup plus grand que 1.
Maintenant, c'est pas ça que je voulais voir. Peut-être que j'ai fait une petite erreur ici, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici. Comment ça se fait que j'ai des gros, j'ai des grammes, j'ai joué par gramme. Qu'est-ce que j'ai fait? Ceci divisé par la température. Voilà. J'ai divisé par la température. Donc, les joules donc si j'ai 12 degrés Celsius, si je reprends à partir d'ici, donc j'ai une masse en kilo par exemple, le C en joules par kilo et par degré, voilà, fois une variation de température en degrés Celsius. Si je fais fois des degrés Celsius, ils vont se simplifier, il va rester des joules fois des kilos. Non, si je divise par. Sais pas pourquoi j'ai obtenu des joules par gramme. Hein. Bon, la capacité thermique, la capacité calorifique ou thermique est en joules par degré Celsius. Bon, là, il faudrait que je résolve ce petit problème-là, parce que c'est pas normal d'avoir des joules par gramme. Je sais pas pourquoi j'ai obtenu cette unité-là, en partant de la chaleur massique qui est en joules par gramme et par degré. Voilà, chaleur massique, oui. Je vais partir à partir de cette formule-là. M0. M0 fois C du calorimètre fois delta T. Delta T de 0,6. Hein. Là, 0,6. La masse, je sais plus, 500 grammes. 500 grammes. C calorimètre. Fois 0,6. Alors, si je divise par 0,6. Oui, j'ai des joules. Ici, il est en 500 grammes, là il est en grammes par degré Celsius. Mais ici j'ai des degrés Celsius divisé par des degrés Celsius. Et je fais, si je fais 0,6 divisé par 0,6, là j'ai bien 1. 1, donc j'aurai une fois ces calorimètres fois 500. Voilà, en tout cas, le M0 fois C0 est en joules par gramme. Ouais, donc en joules par degré. Et ça, c'est la capacité thermique. Oui, voilà. Donc, c'est peut-être là que je me suis trompé. Il suffit de faire le M0 fois C du calorimètre. M0. M0 fois le C du calorimètre. Voilà. Donc là, il y a peut-être une petite erreur. Je vais aller chercher. Ceci, c'est le M0. La masse 500 grammes. Là, fois le C du calorimètre. Voilà.
on en joule par degré. Joule par degré Celsius. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, pour l'eau, je vais rechercher pour l'eau. Hein. C'est 4,186 joules par gramme fois 500 grammes. Ça va être 2093. Voilà, 2093 et un peu plus. Ça va parce qu'il y a des pertes. Hein. Des pertes. Voilà, donc, ça c'est là. Voilà, donc ça je m'étais trompé. Joules pour 1 degré. Maintenant, on sait bien qu'à 0,6 degré. Hein. 0,6 fois ceci donne 1318,59 joules, effectivement, qui est ceci. Voilà. Donc ça, c'est bien en joules par degré, c'est juste. Je m'étais trompé tout à l'heure. Donc, si vous voulez la capacité calorifique, c'est le M0 fois ses calorimètres. Maintenant, en même temps, je peux mettre celui de l'eau. Hein. Bon, ça me dérange pas de mettre celui de l'eau. Ici, chaleur massique de l'eau et capacité thermique de l'eau. Voilà. La capacité thermique de l'eau. À ce moment-là, c'est en joules par degré. Voilà. Et donc, il suffit de faire la chaleur massique de l'eau fois la masse d'eau. Voilà. Voilà. Et donc, on voit bien que la chaleur... oui, ici je vais quand même marquer la formule, c'est MC fois C calorimètre. Alors que l'autre, c'est M0 fois le C0. Voilà, maintenant, je retourne ici. Y a-t-il une relation qui relie les deux? Bien sûr que si. Puisque... ça va être ceci, M0, j'ai M0, C0, en joules par degré, M0 fois C calorimètre, je peux trouver M0, C0. Eh bien, il suffit de faire M0, C0, moins... attendez, je vais faire l'équation. Je vais enlever ceci, ça ne m'intéresse plus. Donc, ça va être, si vous voulez, je vais rechercher le mu C0. Voilà. Eh bien, il suffit de faire M0 C calorimètre que je viens de calculer moins M0 C0. Si je fais la différence des deux, j'aurai le M0 C0. Voyons voir. Il faut que je recherche. Voilà, faisons la différence. Différence des capacités thermiques. La différence des capacités thermiques qui va être 2197,65 moins celui de l'eau qui est... je sais pas ce qu'il est. 2003. Voilà. J'ai une différence de 104,65 joules par degré. Effectivement, c'est exactement ça. Ça donne 104,65 qui est ici.
Voilà, il est là. Donc, trois méthodes, hein, trois méthodes pour. Voilà une troisième méthode pour calculer. Pour calculer le mu 0, c'est 0. Donc c'est cette méthode-là qui est une troisième méthode. Méthode 3. Méthode 1. Méthode 2. Et tout cela calcule ceci. Voilà. Calcule en fait le M0. M0. Ouais, de toute façon, c'est la même chose. Ouais, si je distribue, c'est MC. Ouais, on est d'accord. C'est la même méthode. La 2, la 3, c'est la même méthode. Si ce n'est que là, la masse est distribuée, j'ai fait la différence des chaleurs massiques. Voilà, alors que l'autre, bon, j'ai directement fait la somme. Ouais, c'est quand même trois méthodes. Hein, parce que bon, bien qu'elle est distribuée, ce n'est pas les mêmes signifiants. Voilà. Alors, ici, j'ai calculé tout simplement le mu fois c'est 0. Voilà, donc on a combien de capacités thermiques? On a la capacité thermique du calorimètre, la capacité thermique du calorimètre qui reprend tout en fait, hein, qui reprend la capacité thermique de l'eau et des pertes. Et des pertes. Voilà. Oui, donc ici, quand on dit 4,39, mais il reprend la masse de 525. Hein, la masse totale. 500 plus 25 grammes d'eau relatif aux accessoires. Équivalente égale aux accessoires. Voilà. Donc vous voyez maintenant plus ou moins à quoi ça ressemble une chaleur massique. Une chaleur massique, une chaleur, une capacité thermique, ce n'est pas tout à fait les mêmes définitions. La vidéo ici, justement, remet en question, dire les définitions, hein, enfin remet en question, non, mais remet à plat, remet à plat les distinctions qu'on peut avoir, que les gens font généralement des amalgames. Mais en fait, il n'y a pas d'amalgame. Voilà. Parce que la capacité calorifique ou la capacité thermique du calorimètre s'exprime en joules en joules par degré Celsius. Alors qu'une chaleur massique, c'est en joules par kilo et par degré Celsius, ou en joules par gramme par degré Celsius, ou en kilojoules par kilo et par degré Celsius. Voilà. Donc, ne pas faire d'amalgame dans tout ça, parce que c'est vrai qu'on fait vite un problème. Ici, il n'y a qu'une équation à une inconnue. Bon, c'est simple. Si vous faites déjà des amalgames ici à une équation inconnue, que va-t-il se passer si on fait deux expériences pour lesquelles il y aura un système d'équations, hein? Vous faites deux expériences avec un système d'équations. Si vous ne savez pas ce que c'est que la capacité thermique, abandonnez vite, hein? Abandonnez vite, parce que vous allez chercher dans le vide, hein? C'est comme si vous cherchiez, vous cherchiez une épingle dans une botte de foin, alors que l'épingle, elle n'est pas là. Elle est pas dans les. On vous dit qu'il y a une épingle dans la botte de foin. Il y a une botte de foin qui fait une étable. Hein. On vous demande de la rechercher. Ouais, à moins de la trouver, hein, c'est pas ça. En se levant chaque matin, on peut finir par retrouver l'épingle. Hein. Moi, je vous dis, il y a moyen, en remuant les choses correctement.
Peut-être, si ce n'est pas un grand fer, on va aller chercher un aimant, un gros aimant. Il y a moyen de faire une recherche. Maintenant, s'il n'y a pas d'épingle, votre recherche, elle va rimer à rien, vous ne retrouverez rien. C'est pareil, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une capacité thermique, qu'on vous donne voilà, deux expériences à faire, à travers laquelle on vous demande de rechercher la capacité thermique, ben, si vous ne savez pas ce que c'est que la capacité thermique et que vous mélangez tout, vos systèmes d'équations, vous n'allez pas savoir les manipuler correctement. Hein. Donc c'est pour ça que je remets à plat voilà, ce que c'est qu'une capacité thermique ou une chaleur massique. Il y a une distinction. C'est vrai qu'on par le langage courant en calorimétrie, à force d'utiliser plus la chaleur massique, bah à un moment donné, on est ramené à faire un amalgame. Bah oui, c'est parce que vous ne l'utilisez qu'une fois. Vous n'avez pas utilisé énormément de fois la capacité thermique. Donc fatalement, vous faites l'amalgame avec la capacité thermique et la chaleur massique. Et maintenant, quand il faut parler de capacité thermique, qu'on vous donne la valeur de la capacité thermique, là, je vous prie de me croire qu'il faut absolument distinguer. Hein. Distinguer chaleur massique et capacité thermique. Voilà. Et la chaleur massique, bon, elle est donnée dans son unité, la capacité thermique, dans son unité, la capacité calorifique est dans son unité, c'est-à-dire en joules par degré, c'est pour 1 degré Celsius. La capacité thermique, c'est en joules par degré Celsius, c'est pour 1 degré. Pas confondre avec la chaleur massique qui est en joules par kilo et par degré Celsius. Voilà. Donc c'est fort important pour les équations, c'est ça que je vous dis. Vous allez voir que je vais manipuler les équations, ou si vous ne faites pas intervenir cette notion-là, je veux dire, ça n'ira pas. Voilà, je vous remercie beaucoup.